sur Mirage. Donc moi je regarde comme ça maintenant une POV. Je vous cache pas, je vois son positionnement, je la regarde en fois 1,5, des trucs comme ça. Hein. Ça va beaucoup plus vite. Et je regarde beaucoup mon radar. Voilà, il y a du repositionnement A3 en A. On délaisse totalement le mid. Ça, c'est clairement un schéma de jeu de Cloud9. Hein. Ils aiment trop faire ça. Délaisser totalement la window et tout. Sauf que derrière, voilà, on check. Vu qu'on délaisse la window, on check la kitchen. Voilà, de temps en temps, au petit timing. Là, il reste 30 secondes. On commence à utiliser notre stuff. Il y a le repositionnement du BPA. Là, on sait que c'est du BPA. On est prêt à stuffer. Regardez, c'est magnifique. Là, maintenant, on stuff. On attend encore une fois. Là, maintenant, on stuff. Ils sont obligés de sortir. Et il reste 12 secondes. FaZe, impossible d'y mettre ce round. Impossible. Voilà. Impossible. Regardez. Et quand je regarde un truc, c'est comme ça que je le fais. Donc là, il était en A, maintenant il est B. Voilà, automatique, maintenant c'est le sniper de Cloud9. Il est capable de sniper, il est très très chiant. Mais avant, il le prenait pas parce qu'il y avait Stewie 2K ou Skadoodle. Kerrigan chez Envy. Oh, s'ils font 2-3 mercato, ça peut aller. Mais pour l'instant, j'aime pas trop la line-up entière. Mais Kerrigan, moi, je kiffe de ouf. Très bon support. Très très bon support. Très bon leader in-game. Vous voyez, on délaisse le mid, donc toujours on check la kitchen. C'est vraiment un... Quand vous regardez Mirage, quand vous avez regardé les Américains jouer, Cloud9, il délaisse de ouf le mid. Et il joue en regardant la kitchen, quoi. Tout le temps. Hop, il a vu le B, il le tue. Reprend le B. Repositionne. On push la corde. Ouais, action-réaction. C'est magnifique. Là, vous voyez la versatilité du snipe. Là, il a pas fait un kill, il est parti spawn CT comme tout le monde. Là, il est parti corne et il délaisse totalement leur A parce que notre pote est Penta. Enfin, vous en rendez pas compte, mais là, ils ont leur pote qui est Penta. Donc, ils disent, vas-y, les gars, en A, c'est passé partout. Lui, là. C'est Zélis, je pense. Il a dû dire, les gars, moi, je laisse tout le monde passer en A. Non, c'est Rush. C'est Rush qui est en A. Qu'est-ce que je dis, moi? C'est Rush, le BPR. Il a dit, là, machin. Donc, là, il laisse tout le monde passer. 4v3, on dit, go jouer retake. Donc, là, hop, il vient B. Vous vous rendez même pas compte du round qui vient de se passer. La fluidité de la com, comment c'est passé. La compréhension du round tactiquement, frère. Regardez. Bon, on va redémarrer le round. Là, on est 4v4. Là, le mec a commencé à pêcher la rampe. On va essayer de regarder le radar. Regardez juste le radar. Là, on est 4v5. Maintenant, on est 4v4. Là, on a Rush qui est ici. Il n'a pas encore push la rampe. D'accord? Il est derrière la rampe. Là, le trait noir que vous voyez ici, c'est la porte en gros. Là, il n'a pas push la rampe. Donc là, lui, il rotate. Pourquoi? Parce qu'il dit bébé, 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 bébé. Donc là, maintenant, regardez. Là, il est en train de. Regardez, il faut regarder un peu automatique. Il faut pour essayer de tout comprendre. Hop, maintenant, il est en train de push la rampe. Là, à ce moment-là, il est en train de push la rampe. Donc là, au niveau du vocal, il est en train de dire, les gars, I push ramp, I push ramp. Sauf que ce fils de pute, il est en train de s'infiltrer jungle à ce moment-là. D'accord? Lui, il est en train de s'infiltrer jungle. La bombe. Lui, vu qu'il est infiltré jungle, il croit qu'il est intelligent. C'est pour ça qu'on parle de FaZe, les gars. On parle pas des gros nuls. Ça veut dire que là, même Cloud9 a montré que sur le round, ils ont outplayed. Après, bon, c'est l'écho. Bref. La bombe commence à se rediriger vers le BPA. On fait attention. Là, c'est Rain, il a infiltré jungle. Mais quand même, automatique. On check quand même le cul. Parce que là, Rush, il dit, moi, j'ai que la rampe. Ça peut être partout en A. Ça peut être partout en A. Ça peut être partout en A. Là, il y a du fake en B. On tue le mec B. On redécale, c'est passé en A, c'est passé là, tac en A, tac en A, tac en A. Là, il tue le B. Lui, il est forest, lui, il est corniche. Là, il se passe plus rien en B, regardez. Et là, maintenant, ils ont compris, à 25 secondes de la fin, ils ont compris, là, que c'est passé en A, par toutes ces zones-là. Boost window, connector, peut-être même appart, parce que lui, il est current. Qu'est-ce qu'il fait? Il rotate pas par la kitchen, il rotate pas par ici, là, par la kitchen et tout. Avec un lurker qui peut le tuer, il rotate ici. Là, tu regardes un round comme ça, t'es leader in game, tu dis écoutez les gars, go jouer à la Cloud9. Voilà. Après, hop, on a Rain qui tue Rush. Ça, c'est super intelligent aussi. C'est-à-dire que là, vous comprenez aussi que vu que FaZe, ils avancent trop facilement en A. Ils n'ont pas de contact Windows, ils n'ont pas de contact Spawn CT, ils n'ont pas de contact Jungle, ils n'ont pas de contact Connector, ils n'ont pas de contact BPA, rien, nulle part, ni Sandwich, ni Shadow, ni Ninja, ni Triple, ni rien. Ben, les mecs, ils se disent, ben, il est soit Penta, soit Apartheid. Parce que Rush, on sait que c'est le mec du A, de toute façon. Et Rain, il lui a niqué sa grand-mère quand il a voulu sortir du A. Regardez.
Là, ça, c'est des rounds que tu replays 8 fois, 10 fois pour essayer de comprendre le point de vue des terreaux, le point de vue des CT, le point de vue du BPA en CT, le point de vue du mid en CT. Et ça, c'est un round extraordinaire. Et j'ai jamais, 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 je répète, je n'ai jamais vu une équipe française faire ça sur ces maps. Je dis bien sur ces maps. Ça veut dire que j'ai vu des Français jouer comme ça sur D2. Je les ai vus faire ça aussi sur Inferno. Ils sont deux maps très fortes des Français, avec une compréhension de la map, des mécanismes, des rotations, parce que là on parle que de rotation, qui est vraiment, c'est du génie, quoi. Les Français sont très très bons, les mécaniques sont très très bons, c'est fluide. Par contre, les Inter maîtrisent Overpass, ils maîtrisent Mirage, ils maîtrisent Train, ils maîtrisent Nuke, beaucoup plus que les Français. C'est pour ça que les Français sont éclatés et qu'ils ne travaillent pas comme il faut. Je le pense profondément. Et voilà. Donc voilà, Barolt, vu que tu as fait un petit don de 10 balles, je te fais juste ce petit tuto. Je te fais juste ce petit tuto sur Mirage. Cool. Cool, Raoul. Là, regardez. Regardez. Hop. Rain qui se fait. Lui, vu qu'il y a eu le bon plante, vu qu'il y a eu le bon plante. Là, Mirage, regardez le radar. Oh, putain. Alors, je suis maintenant en bonne scène, ça. Hop, regardez le radar. Notre ami Ray vient de se faire péter le cul. Bref, vous avez compris le bail. J'espère que vous avez kiffé tout ça. On va s'arrêter là. Je vais pas faire un tuto 8 heures de démo, d'accord? À part si comment si, à part si on pète les 500 subs et que ça part en couille dans le chat, y a tout le monde qui fait 10 balles de don. Sinon, vous allez niquer votre daron. Je pense vous en avoir donné assez.